Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube ainsi que sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Thomas et je vais vous montrer ma meilleure classe, épisode 2. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 si ce n'est pas déjà fait, où je vous présente une de mes meilleures classes, une des classes avec laquelle j'aime jouer. Et voilà, donc je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien bien évidemment en description. Donc sur cette classe, j'ai fait une classe à la P90. Donc on va voir tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors une arme, une classe à la P90, donc en arme principale, vous vous en doutez, la P90. Je lui ai mis le canon rétribution force tag pour améliorer la portée des dégâts ainsi que la vitesse des balles. On a aussi un meilleur contrôle du recul. Un viseur réflexe, mais là honnêtement vous savez très bien, hein, vous mettez le viseur que vous souhaitez, ça change pas grand chose. Je lui ai mis l'atout vulnérabilité incapacitante. J'aime bien cet atout parce que ça paralyse les ennemis lorsqu'on lui tire dans les jambes pendant un court instant lorsqu'il est en train de courir en fait. En poignée arrière, je vous ai mis enfin j'ai mis les bandes poignées en pointillés pour avoir la visée accélérée et une cadence de tir améliorée en sprint. Et évidemment, en accessoire de canon, les bandes poignées granulées pour avoir une meilleure stabilité de visée. Évidemment, cette classe est bien sûr perfectible et n'hésitez pas surtout dans les commentaires à mettre vous, votre classe ou ce que vous auriez mis à ma place. En secondaire, on est au 50 GS. J'ai pas grand-chose de débloqué dessus, mais j'utilise pas souvent. Là, je pourrais pas vous dire grand-chose à part que je mets un viseur réflexe dessus, voilà, obligatoirement. Donc on va passer rapidement dessus. En fait, le 50GS, voilà, j'utilise jamais très très rarement, quoi, on va dire. En atout, là, c'est plus intéressant. J'utilise régénération rapide. Ça permet de pouvoir plus facilement éliminer des ennemis les uns derrière les autres. Parce qu'on récupère un peu de santé lorsqu'on tue un ennemi. Du moins, la santé se régénère un peu plus rapidement. En secondaire, enfin en atout 2 plutôt, l'atout fantôme pour ne pas être détectable par les drones radar, ainsi que les capteurs cardiaques et les grenades sensorielles, même si les grenades sensorielles, c'est pas utilisé fréquemment. En atout numéro 3, Sharpnel, donc pour avoir tout, enfin, Shrapnel, pour avoir tout simplement deux équipements explosifs. Mon équipement explosif, j'utilise soit du C4, soit du couteau de lancer. Là, c'est encore une fois à vous de voir. Généralement, j'utilise couteau de lancer, mais en ce moment, je teste le C4 et c'est plutôt pas mal. Et ensuite, en grenade tactique, bah, la bonne vieille grenade flash. Là, c'est vraiment votre choix. Il y a pas mal de choses. Moi, j'utilise la grenade flash, mais vous pouvez utiliser le stim melon si ça vous aide. Moi, je n'utilise jamais le stim melon. Je suis sûr que ça pourrait m'aider. Il faudrait que je me mette à essayer. Voilà, les amis. En tout cas, surtout, dites-moi dans les commentaires si ce principe de vidéo vous plaît. Mettez des pouces bleus de façon à ce que je vous refasse un épisode 3. Voilà, je vous laisse maintenant avec le gameplay. Allez, la P90. Peut-être que c'est bon, je l'aurais peut-être en or à ce moment-là. On va essayer. T'as ce que l'Ixchat a accompli là? Non, il me reste des tirs longue distance, ça le truc. Ça risque d'être compliqué, non? Ah, dommage. Ah, je suis flashé direct. Mon dieu. Ouais, bah, je t'ai flashé. Ah, c'était un ennemi ça? Putain. Wouah, il a mis deux balles lui. Ok, on va essayer de faire le plus de kills possible. Hein. Ok. Ok, une petite tourelle. Ah, dommage. Genre, ma tourelle est déjà détruite là? Je viens de poser une tourelle. Ah, j'allais dire aussi si elle est détruite, je comprends pas là. Attention,
Ah ouais, il y en a un petit qui campe là-dedans, un petit malin. Voilà, ça sert à rien ma tour, je crois que j'ai posé une tour, elle est sortie, ça sert à rien que d'aller. Oh, le petit lance-roquette, génial. Elle a servi à rien la tour, gros, j'y crois pas. Elle a tué personne, je te jure. Genre là, mais qu'il a allongé, je les ai fait, c'est bizarre, j'ai pas. Ou alors j'ai pas fait gaffe. Ah, je devais pas être trop loin de le tuer, lui, quand même. Eh, faudra réussir à prendre B, ce serait cool. Non. Ah, t'es chier, t'es chier. Ah, dommage. Eh bah oui, c'était pour moi, oh, évidemment. On a l'habitude maintenant. Oh non. Hmm. Oh le bâtard, la glissade qu'il a mis. C'était pour nous. Ah, tu l'as eu, tu l'as pris aussi. Hop, la petite trip. Dommage, j'aurais dû lancer le C4. Oh le C4, GG mec. Oh, oh genre. Très bien faire des tirs de loin mais ça va être chaud hein, sur cette map quand même hein. Oh il est pour moi encore, je suis là, je te parie. Oh il était pour moi là-bas, c'est sûr. Ça y est, je t'en ferme. Ça y est, j'attends de faire le sgeg. On gagne là ou pas? Oh, on perd. Hein. Bon. Non, deux assistants, c'est une blague. Ah oh, merde. Assistant. Ah oh, le SB, je vais arrêter d'y aller. Je suis tout seul à essayer de le prendre, c'est rien. Hein? Ça sert à rien ce matelot. Mais si, comme ça on gagne deux fois plus XP, gros. Bah, quand tu fais une victoire, tu gagnes plus d'XP que quand tu fais une défaite. Hein. Oui. Et bah voilà. Voilà pourquoi je vais faire une victoire. Pourquoi je veux faire une victoire, c'est pour ça. Ah, c'est con, j'y suis presque à le prendre en plus hein, depuis tout à l'heure. À force d'y aller, je suis presque à le prendre. Hein. Si quelqu'un venait avec moi, juste ce serait. Bon, bon, je vais arrêter d'y aller, je me fais fumer pour rien. Allez. Mais c'est qui l'allié? Voilà, l'allié qui me gêne. Il fait de ma série. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah bah dis donc. Il meurt tellement vite. On y va. On a besoin de vous au point.
Et merde. J'y crois pas. Il y en a un qui arrive vers toi, attention. Ah mais c'est ouf ça. En plus je lui ai mis des balles, mais comme j'ai spawn, t'as plus de vie, tu sais. Ouais. Par contre j'en ai marre de prendre toujours les machins. Allez, 60 kills, on peut faire mieux que ça. Oh, mais ils campent dans tous les côtés. Toi, casse-toi, toi. Oh, mais il y en a un à chaque fois que tu passes une... Je prends tous les scopes, mec. Ah bah, ouais, bah, regarde-moi. Ah, je prends une exécution. Oh, on m'a sauvé la vie. Je peux pas prendre une exécution. La chance, toi. Non, je flash. Drone ennemi au-dessus. Ça va trop vite là. Ah dommage. Yes. Vraiment. Ah dommage. Seulement on aurait réussi à prendre B, la partie elle durait plus longtemps, ça aurait été cool. C'est dommage. Oh là, je suis pas trop là. Ah bah je suis en kill cam, cherche pas. Ah dommage, j'ai pas réussi à atteindre les 100 frags, je voulais atteindre les 100 frags. Je m'attendais à mieux. Je suis deg. Je fais de la merde. Oh la vache. Oh la vache, il y a de la chance là. C'est vraiment pas le chiffre, putain. Combien d'XP? 20 000 seulement. Ouais, tu vois, on aurait gagné beaucoup plus si... Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir d'être avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher quoi, Thomas? Un pouce bleu. Et aussi, vous pouvez faire quoi? Vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.